Gluglu et la lune rousse partie 1. Bien, l'un de vous peut-il me dire ce qu'est ceci? Oui, trop facile, c'est la lune. Sauf que là, elle est un peu toute rouge. Elle a sûrement pris un coup de soleil. Fastoche. Pas tout à fait. Les planètes n'attrapent pas de coup de soleil. Et c'est tant mieux, Cameron. On appelle ça une lune rousse. Elle n'apparaît qu'une seule fois par an. Et figurez-vous que si vous regardez par la fenêtre ce soir, vous pourrez admirer une vraie lune rousse. J'adore regarder la lune, elle est vraiment trop chouette. Mais vous savez qui d'autre adore la lune? Les loups-garous? Les astronautes, mon ami Pierrot? Sorceline? Ah ouais! Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas de sortie ce soir. Je vous parie qu'elle prépare encore un mauvais coup. Alors à nous de l'en empêcher. Pyjamas, qu'on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Bibou! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Sorceline! J'en étais sûre! Tous au chaboline! Ressemble à ça, une lune rousse? Pas tout à fait. Ceci est ma lune rousse à moi. Ah oui? Et on peut savoir pourquoi elle est à toi? Jetez un œil à mon aimant lune. La lune rousse l'a rechargée au maximum. Ce soir, je vais enfin pouvoir aller sur la lune pour en faire mon royaume et profiter de tous les trésors qui s'y trouvent. Quel royaume? Et quel trésor? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Du trésor le plus puissant de l'univers, tête de piaf. Figure-toi que la lune rousse possède un super cristal. Une fois qu'il sera en ma possession, mes pouvoirs seront surpuissants et personne ne pourra m'arrêter. C'est ça, ouais. Oh, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais la prochaine fois que vous me verrez, je serai la reine de cette ville. Elle sera à moi. À moi. Allez, à plus les pyjaminus. Elle plaisante là, pas vrai? Je n'en suis pas certaine, elle vole déjà plus vite que d'habitude. C'est trop risqué de ne rien faire, il vaut mieux la suivre. La suivre? Jusqu'à la lune? On n'a pas le choix, on va transformer le QG en vaisseau spatial. Ouais, je rêve d'aller dans l'espace. Au QG, Gluglu. Vous comptez vraiment aller là-haut? Vous êtes sérieux? Vraiment? Oui. Si le cristal de lune existe pour de vrai, il faut qu'on empêche Sorceline de s'en emparer. Trente secondes avant le décollage. Pyja Robot, tu sais ce que tu as à faire. Pyja Masque, à vos postes. Bibou, Gluglu, vous êtes prêts? Prêts. Prêts. Très bien. Compte à rebours. 3, 2, 1, décollage. Parfait. Pyja Robot, commence la transformation pleine puissance. Thank you.
deuxième arrêt, la lune. Vous allez voir, on va foncer à toute allure. Vous êtes sûr de vouloir aller jusque là-haut? Si ça se trouve, Sorceline veut nous tendre un piège. Elle veut peut-être qu'on laisse la ville sans surveillance. C'est pour ça qu'il faut l'avoir à l'œil. Bah alors, t'as perdu le goût de l'aventure? Ça va être génial. Qui sait ce qu'on va découvrir? Justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Glu-glu, tu as calculé notre trajectoire? Glu-glu? Hein? Oui. Trajectoire calculée, nous sommes parés. Rien ne sera plus jamais pareil une fois que j'aurai le cristal de lune. Avec mes nouveaux pouvoirs, personne ne pourra m'arrêter. Pas même les pyjamas machins. Tiens, un vaisseau totem en balade. Quoi? Non, dites-moi que je rêve. C'est mon heure de gloire, pas question qu'ils viennent gâcher la fête. Prenez ça. Droit devant nous, il n'y a que du vide. Non, Sorceline essaye de nous faire changer de trajectoire. Il faut à tout prix éviter ces bulles. Bibou, à toi de jouer. Bien reçu, c'est parti. Wow. Oui, je vois la bulle. Elle fonce sur nous bien trop vite. Accrochez-vous. Désolée, la bulle nous a heurtés de plein fouet. Tu as fait ce que tu as pu, Bibou. Pyjarobo, est-ce que la fusée est endommagée? Il y a des dégâts? Et c'est grave, dis-moi. Tu vas pouvoir réparer, hein? On va pouvoir rentrer chez nous? Wow. Bon, je vais devoir poser le vaisseau. Cramponnez-vous, parce qu'il risque d'y avoir de fortes secousses. Voilà une bonne chose de faite. Bel atterrissage, Bibou. La fusée, ça va? Oh! Enfin! Me voilà enfin sur la lune. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le cristal de lune. Qu'est-ce que Sorceline fabrique? Ça ne sent pas bon, les copains. Il vaut mieux la suivre. Peut-être que je ferais mieux de rester ici pour aider Pyjarobo à réparer la fusée. Merci, Glu-Glu, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille tous les trois. Il faut qu'on découvre ce que Sorceline a derrière la tête. Est-ce que ça va? C'est dur à expliquer, mais... C'est la première fois que je pars aussi loin de la maison. Et j'ai peur de rester coincée ici. Je veux rentrer chez nous. Oui, je comprends. Moi, c'était pareil la première fois que j'ai dormi ailleurs que chez moi. Toi aussi, tu as dû dormir sur la lune? À des années-lumière de chez toi? Non, mais si tu préfères, tu n'as qu'à rester ici pour garder le vaisseau pendant que Pyjarobo le répare. Je veux bien, oui. C'est toi qui es aux commandes, d'accord? Bonne chance! Au Pyjamoto, vite! Si vous avez besoin de moi, je bouge pas. Oh. Activation des Pyjamoto! Je passe toutes les communications en mode casque. Activation des caméras embarquées. Bibou à Glu-Glu, tu nous reçois? 5 sur 5. Mille reptiles, je vois tout ce que vous voyez. Cool! Alors tu vas pouvoir veiller sur nos Bibou Vision. Oh! La voilà! Dépêchons-nous! Depuis tellement longtemps, et ça y est! Pas si vite, Sorceline! Yo-yo, rapido! C'est quoi cette blague? Bibou, tornado! Désolée, les pyjaminus, vos pouvoirs ne fonctionnent pas tout à fait pareil ici. Bref, c'est pas tout ça, mais j'étais en train de faire un truc super important, moi. Hein? Ça ne me dit rien,
cristal est capable de faire. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien? Yo-yo! Bibou! Absolument qu'on trouve d'où viennent ces nuages. On n'a qu'à suivre les tuyaux. On arrive directement à la cuve où ils mettent l'eau pour l'arrosage. Mais maintenant elle est vide. Les nuages noirs devaient sûrement être dedans. Mais qui les aurait mis là? Mais c'est un papy nuit. C'est Sorceline. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Blibou! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Si on ne veut pas que ces nuages nous gâchent notre été, il faut trouver Sorceline! Et si on retournait faire un tour à la cuve? On trouverait peut-être un indice. Tous au chabolide! Allez venir m'embêter. Dès que je fais quelque chose, vous débarquez. Pourquoi est-ce que tu fabriques tous ces nuages noirs? On n'a pas pu jouer aujourd'hui. C'était bien le but, cuisse de grenouille. Si moi je n'ai pas le droit de profiter de l'été pour m'amuser, alors je vais empêcher le soleil de briller avec mes nuages noirs pour que vous ne puissiez plus vous amuser. Mais tu pourrais jouer avec nous. Hein? Chat! Passez une bonne journée à jouer au soleil avec des super zéros comme vous. Aujourd'hui, c'était juste un test. Mais demain, quand la cuve sera pleine, je ferai sortir tous ces nuages en même temps. Et ce sera la fin de l'été. La fin de l'été?
Mais ça va être horrible. Vous deux, vous faites diversion et moi, je vais essayer de lui prendre son aimant lune. Et au lieu de fabriquer des nuages avec, je vais les aspirer. Ah ouais. Comme ça, tu crois que tu peux me voler mon aimant lune, hein, Yo-Yo? Tiens, regarde ce que j'ai pour toi. C'est pas des nuages qui vont m'arrêter. Oh. Sauf que je sais très bien que les chats détestent l'eau. Alors j'ai fait des nuages de pluie. Pouvoir de la lune, envoie ces nuages au-dessus de Yo-Yo. Ne vous inquiétez pas, faites comme on a dit. Je peux assurer. D'accord, Yo-Yo. Sois fort. Oh, je suis pas sûre d'assurer. Qui ne veut pas mouiller ses petites papattes, tu ne pourras rien contre moi. Ça veut dire que j'ai gagné. J'ai gagné. Wow. Nuage, alignez-vous et encerclez cette poule mouillée. Oh, oh non, non, non. Ha. Maintenant, je peux retourner remplir la cuve de nuage. Pouvoir de la lune, fabrique plus de nuages et mets-les dans la cuve. Je ne peux pas la laisser faire. Je préfère encore être mouillée et détester ça que de laisser tomber mes amis. C'est l'heure d'être un vrai héros. Yo-Yo, rapido! J'arrive, les pyjamas! Plus rapide que l'éclair, wow! L'incroyable Yo-Yo court sous les nuages, wow! Il les oblige tous à le suivre. Wow! Attends, qu'est-ce que tu fais? Voulu me mouiller, Sorceline. C'est à ton tour. Ah, oh, je suis trempée.
je vais aspirer les nuages avec. Oui, ça marche. Glu-glu, vite, aide-moi à nous débarrasser des nuages qui sont dans la cuve. Je m'en charge, Yuyo. Glu-glu, méga glu. C'était pas si terrible d'être mouillé, du moment que c'était pour sauver mes amis. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Je vais vous attraper! Les jets d'eau! Oh non! Alors, tu détestes toujours ça? Oui. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous arroser!